Bonjour Antoine, est-ce que tu peux te présenter ? Antoine Verneret, je suis paysan à Remoré-Boujon et je suis président de la coopérative Fruitière des Lacs à la Bergement-Sainte-Marie. Antoine, tu es client depuis 2014. Est-ce que tu peux décrire en quelques mots tes relations avec Primagaz ? Pour nous, c'est une simplicité parce qu'on ne s'occupe déjà pas des livraisons. On sait qu'on est rempli toutes les 3 semaines. C'est quand même agréable et puis facile pour nous. On est content de pouvoir téléphoner à quelqu'un directement. Dernièrement, on a eu un souci de condensation dans les cuves. Il n'y avait pas assez de gaz qui arrivait à la chaudière. C'était un samedi, donc on était un peu inquiets. On était content d'avoir eu une réaction très rapide qui a permis de faire une fabrication le lendemain sans problème. Au niveau de Primagaz, cette réactivité, c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est indispensable, oui. C'est indispensable parce qu'on n'a que ce mode de chauffage-là, on n'a pas d'autre solution. Donc il faut une réactivité, s'il n'y a pas la réactivité, ben ça ne peut pas marcher. C'est rassurant, puis on a notre fonctionnement en coopérative, c'est un peu le modèle franc-comtois, c'est de la coopération. Quand on a fait la nouvelle fromagerie ici, on est allé visiter beaucoup d'autres fromageries qui avaient différents modes de fonctionnement pour l'énergie. Et ben, on a à chaque fois questionné sur le fonctionnement, si ça marchait bien, s'il y avait un bon suivi aussi derrière. Et du coup, le bouche à oreille fonctionne forcément bien et ça nous a rassurés pour le choix du gaz. Et on a une particularité en Comté, c'est qu'on travaille le lait tous les jours de l'année. Donc on n'a pas le droit de manquer. On sait que vous êtes au courant quand le niveau de gaz arrive. Un besoin de remplissage de la cuve. Oui, il y a la télémétrie d'un côté, super outil complémentaire donc qui permet d'avoir les informations en temps réel de notre jauge. Si jamais les conditions climatiques allaient se désagréger, comme il y a eu au mois de décembre, ça a permis à notre dispatcher d'avoir cette capacité de réaction en se disant, tiens voilà, il y a tel niveau au niveau de la télémétrie, je déclenche une livraison pour que la fruitière puisse fonctionner complètement. C'est quelque chose qui te rassure d'avoir ces informations? Ça sécurise l'approvisionnement. Voilà, oui, absolument. Voilà, ouais.